aujourd'hui, donc, c'est le lancement de l'édition 2014 de la Semaine Bleue, la Semaine nationale des personnes âgées et retraitées, dont le thème retenu pour cette année, à tout âge, acteurs, créateurs et citoyens. Donc nous avons traditionnellement des ouvertures sous la pluie. Cette année, nous sommes sous la place de la Victoire, donc nous n'aurons pas les pieds dans la boue. L'année dernière, ça a été un grand moment de pluie, un grand moment de liesse, de partage. Et donc, les intempéries ne nous empêchent pas, en tout cas, de manifester cette solidarité que nous avons pour avec les personnes âgées, mais surtout que nous voulons lier solidarité entre les jeunes et les moins jeunes de notre société de Guadeloupe. La Semaine Bleue, c'est le temps où jeunes et vieux, l'intergénérationnel se rencontrera de façon à cogiter ensemble ce qu'il faudrait pour l'avenir. Il y a de l'ambiance et puis ces personnes ont besoin d'espace comme celui-là pour pouvoir s'exprimer, être ensemble, partager, avoir des moments de bonheur comme avec la Zumba. Et c'est vrai que c'est vraiment un moment très festif, très convivial. Je crois que c'est important pour nos aînés, pour nos seniors d'avoir ce type d'espace.